Sawyer est promise à un avenir exceptionnel. D'ailleurs, elle est déjà exceptionnelle. Parce que Peyton Sawyer a cette qualité rare qu'on appelle l'intégrité. Et rien ni personne ne pourra jamais lui enlever ça. Je me souviens de notre toute première rencontre. Ça va? Ouais. Bon, on s'en va. J'ai envie de rester un peu plus longtemps. Alors, bonne soirée. Tu mérites mieux que lui. Hé ! T'as pas le droit de faire ça. Faire quoi ? Ça veut dire quoi, tu mérites mieux que lui ? Je te préviens, j'ai pas envie que tu me sortes des choses comme ça, Lucas. On dirait que tu te fiches de moi. Et que tu te fiches de Lindsay aussi. Lindsay, je sais pas quoi dire, j'ai jamais voulu... Lucas m'a demandé en mariage. Fric en poche. Tu fais comme ça. Mia. Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Elle s'appelle Lindsay, elle est pas très belle. Et son fiancé m'a demandé ma main avant elle. Et avec la même bague de fiançailles. Menteuse. T'étais pas au courant? Peyton. Regardez, je crois qu'elle va fondre en larmes. Ferme-la. Elle va pleurer, la riche héritière. Je t'ai dit de la fermer. Ton gentil papa va te payer un beau mariage à l'étang de Walden, alors pleure pas, Lindsay. Peyton, tais-toi, ça suffit comme ça. Ça va, elle est. Son riche papa va lui payer de quoi la consoler, vu qu'elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Il a eu un cancer. Il est mort depuis 2 ans. T'entends? Il est mort. Et il a atrocement souffert. Il pouvait plus ni parler, ni se déplacer. Et à la fin, il était tellement diminué qu'il ne me reconnaissait même plus. J'espère que ça te fait plaisir. Tous les jours, je repense à ce que j'ai vécu avec lui. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui ai dû décider de débrancher mon père. Parce que ma mère, elle n'en a pas eu le courage. Si ça te fait rire, je t'imiterai le bruit qu'il a fait en poussant son dernier soupir. Parce que moi, je l'entends encore. Et je t'assure que jamais je l'oublierai. Tu dois être contente, tu me vois enfin pleurer. Et tu le vois, je vis pas un conte de fées comme tu le croyais. Il sait, moi, j'ai toujours admiré la Peyton du roman. J'avais l'impression qu'elle était si noble, si gentille. J'aurais aimé connaître cette Peyton, cette version de toi. Pourquoi elle n'est plus là? Et je sais même pas pourquoi tu t'es mis à douter. Tu crois que je doutais? Ok. L'amour éternel, tu sais comment on le trouve. Et toujours? Quand un homme te demande ta main, tu réponds oui au lieu de répondre non et de l'accuser d'avoir des doutes. Je ne t'ai pas dit non. Je t'ai dit que je t'aimais et que je serais ravie de t'épouser un jour. J'avais tellement envie de vivre avec toi et de devenir ta femme. Mais t'as baissé les bras. Moi, j'ai baissé les bras. Oui. C'était baisser les bras de te demander en mariage. Non, mais en refusant d'attendre, tu m'as montré que tu n'avais pas confiance en nous. Non. T'as gagné, Peyton. Tu veux de la franchise, je vais t'en donner, moi. Je t'écoute. C'est toi qui n'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que t'as dit non. Tu pensais que je n'y arriverais pas. Tu croyais que personne ne voudrait jamais publier mon livre. Ou alors c'est que tu t'en fichais. Parce que tu ne penses qu'à toi. Et à ce que toi, tu veux. Si vraiment je me fichais de toi et ton livre, comment t'expliques qu'à chaque fois que je le vois dans une librairie, je ressens le besoin de l'acheter? À chaque fois que je le vois, ta sale tête de bouquin. Où tu dis que je suis exceptionnelle! T'as dit que j'étais exceptionnelle et qu'on passerait notre vie ensemble! Tu l'as dit à tout le monde et tu me l'as dit à moi et j'aurais préféré que tu te taises! Parce qu'en fait, t'en pensais pas un mot! Pas un mot! Je m'en aille. Non, une dernière chose. Je vais te payer un loyer. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ce sera plus simple parce que ton truc là, ça me plaît absolument pas. Je te prêtais ce bureau pour t'aider, c'est tout. Bon, ça suffit, je me dis. Et pendant toute mon enfance, le seul homme qui se soit occupé de moi, c'est... Keith Scott.
Mais cet homme l'a tué. C'était son frère. Il l'a abattu à bout portant et de sang-froid. La semaine prochaine, je vais me marier. Sans Kiss. Je voulais qu'il soit mon témoin. Mais il ne sera pas là. Il ne m'a pas vu non plus gagner le championnat de basket. Et il ne pourra jamais lire mon roman. Dan nous a volé tout ça. Lucas Eugène Scott, voulez-vous prendre Lindsay Evelyn Strauss pour légitime épouse? Promettez-vous? Non, Lucas! C'est le moment que tout le monde attendait. Je suis désolée, mais tu peux pas épouser Lindsay parce que je t'aime, Lucas. Depuis que tu m'as récupérée au bord de la route. C'est pas vrai. Tu te souviens de ce jour-là? C'est le jour où tout a changé. Bien sûr que je le savais pas à l'époque, mais depuis ce jour-là, je sais que nos vies sont liées. Et quand tu m'as demandé ma main il y a 2 ans, je n'étais pas prête. J'étais un peu perdue et j'avais peur, alors je t'ai dit plus tard, mais plus tard, c'est aujourd'hui, Lucas. Je suis prête à t'épouser, je t'aime de tout mon cœur. Ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Tout le monde part un jour, sauf toi. Promettez-vous de vous montrer fidèle? Dans le bonheur, oui, comme dans les épreuves. C'est ça que j'aurais dû dire. Dans la santé comme dans la maladie. Promettez-vous de l'aimer et de la respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et lui, il a dit... Lucas, dites je le veux. Je le veux. Oh, Lucas. Je m'en veux beaucoup, tu sais. J'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Alléluia, oh alléluia, 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 alléluia. Péton ? Je te déteste. Quoi ? J'aurais voulu ne jamais te revoir. Fichu ma vie en l'air. Une vie fantastique. Ne m'oublie pas trop vite. Je suis James Lucas Scott. Je t'avais dit de pas venir. Je sais. Elle est partie, Lucas. Je sais. Et merci. Je t'ai jamais détesté. Je me rappelle le jour où je t'ai vu pour la première fois. Avec tes longues jambes maigrichonnes. Et tes cheveux dans tous les sens. Ça n'a pas été facile de t'oublier. Tu sais, Peyton, ça a été difficile de renoncer à toi. Ça a été difficile de te revoir. Et ça l'est toujours. Même aujourd'hui. Je sais ce que c'est. Je te l'ai pas dit, mais toutes les nuits, je fais le même rêve. Je me revois avec toi dans cette chambre d'hôtel.
tu me demandes de t'épouser. Et à chaque fois, je te réponds oui, Lucas. C'est seulement un rêve. Mais c'est mon rêve.